plaisir de se retrouver ici. Nous sommes dans l'un des meilleurs stades au monde, le BVB Stadion, dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Peut-être que vous nous avez reconnu, c'est Omar et Benji. Dernière journée de phase de groupe pour cet Euro 2024, la France contre la Pologne. Une bonne note et l'équipe peut s'installer au premier rang de la classe. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Kylian Mbappé sera avec Ousmane Dembélé sur les ailes. Et enfin en attaque, ça jouera donc avec une pointe. Et voilà, tranquille, aucun danger, ballon facile. Alors la compo polonaise. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel, avec deux vrais ailiers de chaque côté pour aller provoquer. Oui, coup franc accordé par l'arbitre sur cette faute. Ah, la frappe est contrée. Elle s'est dégagée en touche. Elle enlève la tête, là peut-être un centre. Et c'est dangereux ce ballon, mais ça sort en corner. Le corner. Et non, finalement, ça n'apporte rien. La parade de Chesney, magnifique! Quel réflexe sur cette tête! Pour espérer la toucher, il fallait de la concentration, mais aussi des très bons réflexes et des jambes. Quel arrêt! Superbe parade, extraordinaire! Oui, tout le monde s'attendait au but sur cette tête! Dans la surface, la défense renvoie et se donne un petit peu d'air. La belle reprise de volée, ça frôle le montant. Dans l'ensemble, le geste était plutôt bien réalisé. Dommage. Oui. Attention pour mener au score peut-être. Et ça rentre. Voilà le premier but. L'ouverture du score. C'est logique. Après une grosse domination. La troupe et donc la Pologne doit réagir. Concentré là, là-dessus. Ah, il peut frapper, Kylian Mbappé. C'est sauvé par le gardien. Quelle parade! Frankowski, ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Dembélé. Ah, elle est merveilleuse cette passe. Et c'est reçu dans le dos de la défense. Attention, ce n'est pas fini. Et ça finit par rentrer. Malgré la belle parade, son sens du but, son flair ne pardonne pas. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Oh, il y a une bonne occasion là. La parade, mais le danger est toujours présent. Oui, le contrôle, il y a danger. Avec Kylian Mbappé. Ah, il est loin. Oh oui, la parade! Elle vient tirer dans la surface. Et la main ferme pour envoyer le ballon par-dessus le but. C'est un nouveau corner à jouer. Quel réflexe, le ballon est sauvé. Cette tête semblait aller droit dans le but. Superbe intervention. La défense éloigne le danger sur ce corner. Antoine Griezmann à la réception. Un ballon bien travaillé pour ce centre. Oh oui, l'arrêt, magnifique. Cette tête qui semblait aller tout droit au fond du filet, mais le gardien a dit non. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Adrien Rabiot. Oh, attention à ce ballon. Une lourde frappe, elle passe très loin alors que le but semblait tout fait. Mais voilà, à trop vouloir flamber, on s'y brûle et on finit par manquer l'immanquable. Et l'interception, la perte de balle des Bleus.
Kylian Mbappé. Une possibilité là pour centrer. Il y a du soutien en attaque. Il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus. Oh, attention! Et le but, voilà, c'est fait! Son deuxième but du match, son doublé. Il est intenable, insaisissable. 3-0, c'est le score suite à ce but. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Ballon pour Antoine Griezmann. Et le gardien intervient comme il se doit. Le corner. Oui, il s'est bien joué, le danger est éloigné. Si on regarde le nombre d'occasions et le nombre de buts marqués, c'est parfait. C'est exactement la définition. Revenez au jeu, regardez! Quelle occasion manquée! On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face de ce type. Zielinski. Et l'équipe reprend la possession. Jules Koundé. Sur le côté avec de l'espace. Et le ballon pour le gardien malgré cette grosse occasion. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Très bonne intervention sans faute. Un face-à-face à négocier. À la frappe puissante passe très loin de la cage alors que le but semblait tout fait. Quelle erreur! Dans les tribunes, c'est la stupéfaction! Ce ballon est perdu et ils vont pouvoir se projeter en attaque. Et bien placé Dembélé. Et un arrêt qui fait du bien. Ballon dans la surface. Et ce corner est renvoyé par la défense. Taïo Upamecano avec le ballon. Ouais, l'intervention vitale. Il y a de l'art, de la création, de l'enthousiasme, de la beauté. C'est ça le football. Vive le football! Attention, situation dangereuse là! Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, c'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Frankowski. Le ballon est écarté. Et l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Tout se passe très bien pour cette sélection pour l'instant. Elle prend la première place de son...